J'avais reçu un courrier d'Hercule Poirot m'annonçant qu'il rouvrait l'enquête controversée sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Je me préparais à le rejoindre à Dallas, au Texas, quand je lus, à mon grand étonnement, qu'il arriverait à Cherbourg, en France, par le train, via la gare Saint-Lazare. « Mon cher capitaine Hastings, ajouta-t-il, Poirot se rendra ensuite à Fermanville, à 18 km de Cherbourg, au lieu dit les casernes, une ancienne caserne de douaniers, vous savez, les douaniers, comme sur le chemin des douaniers. N'oubliez pas votre smartphone, car exceptionnellement, Poirot souhaite filmer la réouverture de cette enquête pour la postérité. » Je ne pus arriver à temps quand Poirot débarqua à Cherbourg. Je me promis de le rejoindre directement à Fermanville. Il avait troqué son habituel complet veston pour une tenue de touriste qui finalement ne lui allait pas si mal. Voyez, Hastings, c'est là que tout s'est joué. Vous remontez les casernes, Hercule ? Et toutes les maisons, c'était quoi, là ? Les maisons de bonnes gens, voilà. Ouais, mais les bonnes gens que vous soupçonnez. Tous entrent dans l'idée de Poirot. Nul n'est vraiment innocent. Hercule, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de revisiter le drame de Dallas et la mort de JFK ? Eh bien, écoutez, un certain doute sur la culpabilité des participants. Et comment ? Poirot n'est pas d'accord. Il ne voit pas ça ainsi. Il y a quelque chose qui le trouble dans l'agencement même de cet assassinat. Oui, mais les casernes, c'est quand même loin de Dallas. Vous savez, on ne peut pas se fier aux images de l'époque. US President John Fitzgerald Kennedy's visit to Dallas, Texas on November the 22nd, 1963 was aimed at boosting his re-election bid ahead of the 1964 presidential vote. Thousands turned out to see the iconic leader and his wife Jacqueline travel in a motorcade through downtown Dallas. At 12:30 p.m. local time, as the president's open-top limousine reached Dealey Plaza, three gunshots were fired at the convoy. Two bullets hit the president, one wounded him at the back of the neck and throat, the other caused a massive and fatal head injury. The president was pronounced dead at 1 p.m. in an historic announcement that stunned America. A government investigation found the shots were fired from the sixth floor of the Texas School Book Depository by 24-year-old Lee Harvey Oswald. But the suspect was never tried. 2 days later, he was shot dead by local cabaret owner Jack Ruby during a prison transfer. Jean, pourquoi vous êtes-vous retrouvé aux casernes ? Bah parce que ma mère avait cette petite maison à l'époque et puis on a commencé à venir en vacances ici. Il y en a qui vont sur la Riviera, bah nous on est venus sur la Manche. Mais je voulais vous demander, Jean, que faisiez-vous le 22 novembre 1963 ? Le 22 novembre. Alors là, vous me posez une drôle de colle. Hein. Moi, je m'en rappelle pas. 1963. Ça vous semble pas suspect, Hercule ? Hein ? Si, un peu. Vous devriez vous rappeler, Jean. Ah bon ? Encore pourquoi ? Parce que vous êtes sur la liste des suspects. Ah bon ? Suspect. Vous m'avez suspecté pourquoi ? Du meurtre de JFK. Ah, mais alors maintenant, je ne m'étonne pas pourquoi la police m'a arrêté l'autre jour en voiture à la sortie de Saint-Pierre. Hein, parce que je trouvais quand même drôle qu'un bonhomme de mon âge, de 93 ans, soit arrêté, puis qu'en plus on lui fasse boire, souffler dans le ballon, tout ça, j'ai trouvé ça pas très catholique. Alors maintenant je m'explique pourquoi, parce que sans doute vous avez été voir un petit peu la police, pas beaucoup, hein, parce que vous voyez, la police j'ai des très mauvais souvenirs. Mais pourquoi vous n'aimez pas la police ? Bah parce que pendant la guerre, elle s'est mal conduite. Une partie, pas tous, il y a eu des résistants, mais il y a eu surtout, moi ce que je garde en souvenir, en très mauvais souvenir,
c'est la chasse aux Juifs qui a été faite uniquement par les Français. Faut pas l'oublier. Ça, faut pas l'oublier. Et on les a envoyés directement à la mort. Hastings, est-ce que vous êtes prêt? Oui, oui, vous pouvez commencer les interviews. Bon, bon, bon. Qu'est-ce que vous faisiez le 22 novembre 1963? Moi, monsieur, je n'ai que le souvenir d'un viol. J'avais 10 ans, j'avais 11 ans. Et j'avais déjà été violée deux fois. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas de savoir qu'est-ce qu'il a pu se passer ce jour-là. Bon, nous y reviendrons. Et vous, monsieur? Moi, vous savez, monsieur l'agent, j'étais pas né, hein. Vous n'étiez pas né, mais ce n'est pas un alibi. Et vous, madame, en dehors de cette affaire subalterne de viol, pouvez-vous préciser votre emploi du temps? Tu ressembles, Maigret, à une patronne de bordel dans un film de série B. Tout ça, ça ne fait pas tourner les petites cellules grises de Poirot. Monsieur l'agent, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Cessez de m'appeler monsieur l'agent. Oui, monsieur l'agent. Et moi, c'est Poirot. Oui, monsieur Maigret. Je ne suis pas Maigret, je suis Poirot. Ah, vous êtes français? Non, madame, je suis belge. Oh, comme t'entends. Hey. Monsieur Holmes. Je ne suis pas monsieur Holmes. Je suis Hercule Poirot. Vous êtes français? Non, madame. Je suis belge. Que faisiez-vous le jour du 22 novembre 1963? Mais monsieur Poirot, je faisais mon qigong. Vous devriez en faire. Parce que je faisais un mouvement qui traite des oppressions thoraciques et des problèmes tendino-musculaires du bras et de la région cervicale. Et ça tonifie aussi les poumons et le gros intestin. Et ça renforce le chi de l'énergie des reins. Poirot étudiera la question. Oui, ça va. Et vous, agentine? Oui, colonel. Hastings, interview de l'agent intergalactique Tin. Agentine, que faisiez-vous le 22 novembre 1963? Ça me paraît un peu faible comme alibi. Oh, bah, fallait me le dire. Ah bah oui, mais t'es arrivé un peu tard. Ah, c'est extraordinaire. Mais je fais le gâteau. Dora, le jour où tu veux y aller, tu me le dis. Voilà, alors il faut que je me dépêche parce que c'est demain. Ah bah. Ah, c'est vrai. Ben, voilà. On a passé une bonne journée. Oui, oui. Voilà. Il a fait beau. Il y avait beaucoup de monde. Et puis il y avait quelqu'un qui animait particulièrement la plage. Oui. Voilà. Et voilà. C'est toujours les mêmes qu'on voit sur la plage, par contre. Ah, oui, à peu près. Oh, on a vu votre fille. Ah oui. On a vu votre gendre. Ils sont baignés. Oui. Poirot possède la clé de l'énigme de la mort de John Fitzgerald Kennedy, le 12 novembre 1963. Ma conclusion, c'est que JFK n'est pas mort à Dallas, aux États-Unis. Il est mort en France, tout simplement, au lieu-dit les casernes, une ancienne caserne de douaniers à Fermanville, en Cotentin, dans la Manche.
Devant cette découverte incompréhensible, face au caractère énigmatique de la situation, Poirot a levé le voile sur cette affaire jamais résolue. Au Texas, c'était un sosie qui avait fait le mort. Grâce à la complicité du FBI et de la mafia réunie. Voilà le fruit des petites cellules grises de Poirot en action. Hastings, vous continuez à tourner ? Oui, vous pouvez y aller, Poirot. Après avoir examiné tous vos agissements à cette date fatidique du 12 novembre 1963, en vous interrogeant, plusieurs détails demeuraient obscurs à Poirot. Comment l'un des suspects pouvait-il être né bien après la date de l'assassinat du président américain? Vous n'étiez pas né, mais ce n'est pas un alibi. Cela a paru bizarre à Poirot. Il se demanda si c'était purement fortuit. On trouve parmi vous, à la fois une actrice et son fils. Qu'est-ce que vous faisiez le 22 novembre 1963 ? Tous deux acteurs au Havre, en Haute-Normandie, pour détourner l'attention de la Basse-Normandie, où a eu lieu le crime. Un retraité trop sympathique pour être honnête. Jean, pourquoi vous êtes-vous retrouvé aux casernes ? Bah parce que ma mère avait cette petite maison à l'époque, et puis on a commencé à venir en vacances ici. Il y en a qui vont sur la Riviera, bah nous on est venus dans la Manche. Mais je voulais vous demander, Jean, que faisiez-vous le 22 novembre 1963 ? Une disciple du Qigong un peu fantaisiste. Et un agent intergalactique. Argentine, que faisiez-vous le 22 novembre 1963 ? Poirot fut surpris de la difficulté qu'il éprouvait à rejeter l'entière culpabilité sur un seul d'entre vous. Bizarre coïncidence. L'alibi de chacun se trouvait confirmé par sa présence conjointe en Cotentin, un comble. Vous l'avouerez pour enfumer le plus célèbre des détectives. Hastings, mon gros plan. Oui, vous êtes bien, Poirot. Soudain, une grande clarté pénétra Poirot. Vous étiez tous coupables. Que tant d'amis mêlés au drame, soient rassemblés au même endroit et pendant les mêmes vacances de la Toussaint, ne relevait pas du hasard. Tout cela avait été concerté longtemps à l'avance. Sous cet angle, le mystère s'éclaircit. Un rôle nettement déterminé avait été assigné à chacun de vous. Tout était prévu dans le moindre détail et sans risque aucun. Si le soupçon pesait sur l'un des membres de cette association de dangereux criminels, Poirot serait le premier à les innocenter par ses propres interrogatoires. Et puis comment dépayser juridiquement le meurtre de JFK des USA au Cotentin ? Cette solution met admirablement en lumière aux yeux de Poirot tous les épisodes de ce drame planétaire qui s'est joué dans un hameau normand, au cœur du Cotentin. Et certainement pas à Dallas, au Texas. C'est bon, Poirot. Merci, Hastings. Ainsi, ils avaient tous contribué au meurtre de JFK après lui avoir tendu un piège pour qu'il vienne satisfaire sa libido débridée en Normandie. Ça s'était passé par un soir d'automne, alors qu'une tempête sévissait sur le Cotentin. Et vous, Hastings, au fait, qu'est-ce que vous faisiez le 22 novembre 1963 ?
Au fait, c'est le 12 novembre ou c'est le 22 novembre? C'est le 22 novembre.